Prions Dieu, Seigneur éternel, notre Dieu, nous bénissons, nous bénissons sa personne. Merci pour l'opportunité que vous avez à chacun de nous. Côté après, nous finissons par son journée de travail et vous avez rendu possible, personne, que nous capables d'en prendre en soupe pour nous venir remercier pour ce grand sacrifice qui est offert pour nous-mêmes, cher Seigneur Dieu Tout-Puissant. Pour t'es accepté, qu'on est la croix pour nous-mêmes, cher Seigneur Dieu Tout-Puissant. Pour t'es vous-même qui pas gloué à sur la croix, mais on va aller au fruit de la rançon, afin que vous t'es capable de racheter nous de la malédiction du péché, et nous donner la vie et la vie en abondance en Père Saint. Assure la ministre à Père Saint, la moi nous t'en prie, permettre que nous sommes capables d'entrer dans nous-mêmes, cher Seigneur, pour nous fixer sur nous vraiment, sur la croix, au Dieu Tout-Puissant. Côté nous-mêmes, autrefois, nous étions perdus, oh Dieu, nous n'avons pas d'accès à l'évangile en personne. Mais lorsque tu es venu, tu es versé sang sur la croix, oh Dieu Tout-Puissant. Et à cause de la croix, on te connaît, oh Dieu, nous avons accès. Non seulement nous sommes capables d'entrer dans le parvis, dans le lieu, cher Seigneur Saint, mais nous avons l'opportunité, nous sommes capables d'entrer dans le lieu très saint, oh Dieu Tout-Puissant, pour offrir sacrifice à nous-mêmes, cher Seigneur. Côté autrefois, nous n'avons pas de privilèges à la personne. Pendant des bons sacrificateurs, nous sommes capables d'entrer, cher Seigneur, quelque chose pour ces péchés, nous. Pour nous être capables d'offrir, cher Seigneur, animal, pour nous être capables de pardon pour péchés, nous. Mesdames et messieurs, merci, cher Seigneur. Côté nous n'avons pas besoin, mais ils sont encore personnes. Puisque la croix, cher Seigneur, oh, t'es régné, non, avec vous-même, à papa, cher Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Assois-nous, merci, Père Saint. Merci pour ce grand sacrifice. Et de l'Église, vous accompagnez. Sacrifice ça, cher Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Avec eux, nous sommes capables de vivre pour nous-mêmes. Chaque jour, cher Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Oh, pour s'en faire pour nous, Père Saint. Mais l'Église, nous sommes même pas pour nous-mêmes, cher Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Dans mon autre prix, bénis-nous à soi, cher Seigneur. Gardez notre cœur, chaque monde qui l'a percé et qui comprend sa puissance à percé et qui accepte, cher Seigneur, à soi-même. Laissez, cher Seigneur, toutes les activités, oh, cher Seigneur Dieu, et pour avoir vidéo, merci. Merci pour ce grand sacrifice. Nous comptons sur vous-même, cher Seigneur. Merci pour toute grâce. Merci pour bonté. Merci pour miséricorde. Merci pour providence que vous exercez à l'endroit de l'Église évangélique baptiste Silo et Persin. Et nous continuons à être dans la présence. Nous continuons à vous remercier, cher Seigneur Dieu Tout-Puissant. En début tout, nous être la caillou et faisons vivre pour même en vie la vie chrétienne normale. Cher Seigneur, nous voulons tout ça. Au nom du Saint Verset de ton Fils Jésus. Lui qui vient qui règne à présent pour toute l'éternité. Amen. Après cela, toute l'assemblée s'étant levée, ils conduisirent Jésus devant le gouverneur Ponce Pilate. C'était le matin. Arrivés au prétoire, les sacrificateurs et les anciens n'y entrèrent pas, de peur de se souiller et de ne pas pouvoir manger la Pâque. Pilate donc sortit vers eux et leur dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent, « Si cet homme n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas amené. » Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même. » Et jugez-le d'après votre loi. Mais les Juifs lui répondirent, il ne nous est pas permis de faire mourir personne. Puis, ils se mirent à accuser Jésus, disant, nous avons trouvé cet homme qui séduit le peuple, se disant le Messie, le roi, et défendant de payer le tribut à César. Pilate lui dit, n'entends-tu pas combien d'accusations ils portent contre toi? Mais Jésus ne répondit rien. Pilate, étant entré dans le prétoire, fit venir Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Dis-tu cela de toi-même? Ou bien d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, suis-je juif, moi? Ta nation et les principaux de ton peuple t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait?
Jésus répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Alléluia. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais mon royaume n'est pas d'ici-bas. Alors Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi, je suis né pour cela. Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et quiconque est pour la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Sur quoi, il sortit et s'adressant aux Juifs, il leur dit, je ne trouve rien de coupable en cet homme. Mais ils insistaient, disant, il soulève le peuple enseignant par toute la Judée et en commencé par la Galilée. À ce mot de Galilée, Pilate demanda si cet homme était galiléen. Et apprenant qu'il était de la juridiction d'Hérode, gouverneur de la Galilée, lequel était alors à Jérusalem pour les fêtes, il le lui renvoya. Quand Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie. Car il avait beaucoup entendu parler de lui. Et depuis longtemps, il désirait le voir, espérant qu'il ferait quelques miracles en sa présence. Il lui posa donc plusieurs questions. Mais Jésus ne lui répondit rien. Quant au sacrificateur et au scribe qui étaient là, ils l'accusaient avec violence. Alors Hérode, entouré de ses courtisans, ne fit plus aucun cas de lui. Et pour se moquer de lui, il l'affubla d'un manteau éclatant. Puis il le renvoya à Pilate. Depuis ce moment, Hérode et Pilate, jusqu'ici ennemis, devinrent amis. Or, la coutume voulait qu'à chaque fête de Pâques, le gouverneur relâchât celui des prisonniers que le peuple demandait. Pilate donc, désirant relâcher Jésus, car il savait bien que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré, cria, « Voulez-vous que je vous relâche, le roi des Juifs ?» Mais les sacrificateurs excitèrent le peuple à demander qu'on relâchât un nommé Barabbas, qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre. « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» dit encore Pilate. « Barabbas ou Jésus, qu'on appelle le Christ ?» Et tout le peuple s'écria, « Barabbas !» Alors Pilate dit, « Mais que voulez-vous que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Et tous crièrent, « Crucifie ! Crucifie-le !» Pilate dit encore, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Je ne trouve rien en lui qui soit digne de mort. L'ayant donc fait fouetter, je le relâcherai. Sur quoi ils crièrent encore plus fort, non, mais qu'il soit crucifié. Et les cris du peuple redoublaient, aussi bien que ceux des sacrificateurs. Cependant, Pilate prit Jésus et lui fit subir la flagellation. Puis les soldats tressèrent une couronne d'épines, et la lui mirent sur la tête. Ils le vêtirent d'un manteau de pourpre, lui mirent un roseau dans la main droite, et s'agenouillant devant lui, ils se moquaient en disant, « Nous te saluons, roi des Juifs. » Ils crachaient aussi contre lui, lui donnaient des soufflets, et prenant le roseau, ils lui frappaient la tête. Pilate sortit encore une fois et dit, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve aucun crime en cet homme. » Et Jésus parut, portant la couronne d'épines et le manteau d'écarlate. Et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Mais quand les principaux sacrificateurs le virent, ils s'écrièrent, « Crucifie-le ! Crucifie-le !»
Pilate leur dit, prenez-les vous-même et crucifiez-le, car pour moi, je ne trouve aucun crime en lui. Les Juifs répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, car il s'est fait le Fils de Dieu. À l'ouïe de ces paroles, Pilate eut encore plus de crainte. Et étant rentré dans le prétoire, il dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui fit aucune réponse. Alors Pilate lui dit, tu ne me réponds rien? Ne sais-tu pas que je l'ai pouvoir de te crucifier et le pouvoir de te délivrer? Alors Jésus lui dit, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. Tandis qu'il siégeait ainsi à son tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui en songe à cause de lui. Alors Pilate fit de nouveaux efforts pour le délivrer. Mais les Juifs criaient, si tu délivres cet homme, tu n'es pas ami de César, car quiconque se fait roi se déclare contre César. Pour nous, nous n'avons point d'autre roi que César. Pilate, voyant que tout était inutile et que le tumulte allait croissant, prit de l'eau et se lava les mains devant le peuple en disant, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors, Pilate leur livra Jésus pour être crucifié. Français chant d'espérance. Amen.
les soldats du gouverneur, ayant pris Jésus, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent. Jésus, portant lui-même sa croix, fut conduit hors de la ville. Et comme il sortait, ils trouvèrent un homme de Cyrène nommé Simon qui revenait des champs et ils le contraignirent à se charger de la croix pour la porter après Jésus. Or, une grande multitude de peuples le suivait, surtout des femmes qui se frappaient la poitrine et qui se lamentaient. Jésus, se tournant vers elles, leur dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici les jours viennent où l'on dira heureuses les stériles et celles qui n'ont pas enfanté. Alors on se mettra à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux coteaux, couvrez-nous, car si le bois vert est ainsi traité, qu'arrivera-t-il au bois sec? » On menait aussi deux autres hommes qui étaient des malfaiteurs pour les faire mourir avec Jésus. Arrivé au lieu appelé le Calvaire, au Golgotha, c'est-à-dire la place du crâne, on présenta à Jésus du vin mêlé avec du fiel et de la myrrhe. Mais quand il en eut goûté, il n'en voulut point boire. Et là, on le crucifia avec les deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. En sorte que cette parole de l'Écriture fut accomplie, il a été mis au rang des malfaiteurs. Mais Jésus disait, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Or, le peuple se tenait là et regardait, et les gens qui passaient se mirent à dire, en hochant la tête, « Hé, toi, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » De même, les principaux sacrificateurs, les scribes et les sénateurs disaient, « Il a sauvé les autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Ah, le Christ, le roi d'Israël. » Qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il se confie en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il lui est agréable, car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Et l'un des malfaiteurs qui était crucifié avec lui l'outrageait en disant, si tu es le Christ, sauve-toi, toi-même, et nous avec toi. Mais son compagnon, le reprenant lui dit, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui souffres le même supplice, et pour nous c'est justice, car nous subissons ce que nos crimes ont mérité, mais celui-ci n'a fait aucun mal. » Et s'adressant à Jésus, il lui dit, « Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui répondit immédiatement, « en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Près de la croix se tenait la mère de Jésus et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Mère, voilà ton fils. » Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Or, depuis la sixième jusqu'à la neuvième heure, il y eut des ténèbres sur tout le pays. Et vers la neuvième heure, Jésus cria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani !» C'est-à-dire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?»
Quelques-uns de ceux qui étaient présents, l'ayant entendu, disaient, voilà qu'il appelle Élie. Après cela, Jésus dit, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Ils emplirent donc de vinaigre une éponge et l'ayant fixée à une tige d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Et quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Puis, jetant un grand cri, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et baissant la tête, il expira. Au même moment, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Et quand le centenier et ceux qui étaient là avec lui pour garder Jésus eurent vu ce tremblement de terre et ce qui était arrivé, ils furent saisis d'une grande frayeur. Et le centenier s'écria, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Et tout le peuple s'en retournait en se frappant la poitrine.